C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Jean-Pierre Elkabbach et son invité, eux. Et oui, elle revient tout juste de Cancun au Mexique, notre mise de l'écologie. Bonjour, il y avait du beau monde à Cancun, je vais pouvoir délivrer toute ma culture mexicaine. Que viva Mexico! Ay, Pepito! Je le dis, il y avait du beau monde, il y avait une Mexicaine pendant cette conférence, puis qui représentait le Mexique, Peña Santiana, un Indien également, Raijaam Yajaoni, il y avait également un Chinois, Xing Yangsung, le Japonais Nao Tiokan, l'Américain Barack Oyama. Dommage, il n'y avait pas Marias Vargas Losas, maintenant que j'arrive à le dire. Heureusement que vous y étiez, vous avez un nom normal, Nathalie Kosciusko Morito. Alors, est-ce qu'il y a eu de l'argent délivré à Cancun? Oui, tout à fait, Jean-Pierre Elkabbach. Et ça, c'était formidable parce que je suis très fier que nous ayons réussi à débloquer des fonds. 100 milliards. 100... Calme-toi. Oui, mais j'arrive à Cancun, je suis essoufflé. 100 milliards. C'est un effort gigantesque pour les efforts climatiques. Et je suis fier que la France ait participé à hauteur de 420 euros par an. Et je crois que c'est le pays le plus engagé dans cette cause. Merci, Nathalie. Nat. Arrête, Nat, tu Mexique. Oh, vraiment. Allez, Nathalie, préparez-vous à la neige mercredi, fini les palmiers de Cancun, les palmiers qui se disent palmito, mais moi je préfère les pépito, aïe pépito, à vos gelées. Et à Marc-Olivier qu'on retrouve avec son invité.